Coucou les amis, bonjour, c'est... Aujourd'hui, je vous amène une histoire très belle, une histoire en français, de Amit Garg. Et l'histoire s'appelle « Le plus beau des trésors ». Alors, l'histoire commence comme ça. Un jour, Peter s'est tombé sur une carte au trésor. « Chouette, je vais trouver ce trésor. À moi l'aventure !» Peter s'est mis en route. Après avoir marché bien longtemps, enfin il est arrivé à une forêt. Là, il rencontrait un lion. Peter a dit « Oh, tu es fort et courageux. Veux-tu m'accompagner dans ma chasse au trésor ?» Le lion accepta et suivit à Peter. La forêt était dense et sombre. Peter a été inquiet. Mais grâce au lion, il est arrivé sans un sauf de l'autre côté. Quand les deux amis ont atteint les flancs de la montagne, ils ont rencontré un aigle. « Ta vue est excellente. Elle nous préviendra des dangers, » dit Peter à l'aigle. « Veux-tu nous accompagner ? Nous sommes en quête d'un trésor. » L'aigle accepta et suivit Peter et le lion. Les montagnes étaient hautes et escarpées. Le lion commence à glisser, mais Peter fut assez rapide pour lui tendre la main et le hisser hors de danger. L'aigle, avec sa vue perçante, veillait à chacun de leurs pas. Ensuite, ils sont arrivés dans la vallée en contrebas et ils ont rencontré un mouton. « Veux-tu nous accompagner dans notre chasse au trésor ?» a demandé Peter au mouton. « Tu nous protégeras de froid ?» Le mouton accepta et suivit à Peter les lions et l'aigle. Un vent glacial s'est mis à balayer l'interminable prairie. Ils se serrèrent tous contre les moutons, qui les garda bien au chaud. Les quatre amis sont arrivés finalement à un désert où ils ont rencontré un chameau. « On t'appelle les veseux du désert, » a dit Peter au chameau. « Veux-tu nous aider à le traverser et nous accompagner à notre chasse au trésor ?» Le chameau accepta. Peter, les lions et les moutons sont montés sur le chameau et se sont mis joyeusement en route à travers l'immensité du désert. Pendant que l'aigle planait au-dessus d'eux, les chameaux a commencé à galoper et tous poussaient des cris d'excitation. Traverser le désert au dos de chameau était tout à fait exaltant. Les cinq amis sont arrivés au fin à l'océan, où ils ont rencontré une tortue. « Peux-tu nous aider à traverser l'eau ?» demande Peter à la tortue. « Nous sommes en quête d'un trésor. » La tortue accepta et suivit Peter, les lions, l'aigle, les moutons et les chameaux. Les fortes vagues ont emporté presque tous les groupes, mais la tortue est arrivée à les guider vers la rive. Là, ils ont rencontré un hibou. Les hiboux, pleins de sagesse, les a complimentés. « Félicitations, vous avez trouvé le trésor. Où est-il ? » Se sont-ils tous exclamés avec surprise. « Ensemble, vous avez traversé la forêt, escaladé les montagnes. Vous vous êtes aventurés dans la vallée. Vous avez bravé les déserts et traversé l'océan. Vous ne seriez pas arrivés sans aider les uns les autres. » Ils se sont tous regardés et ils ont compris que les hiboux avaient raison. Ils avaient trouvé l'amitié et c'était assurément les plus beaux des trésors.